beaucoup. Allez, venez avec moi, je vous emmène à la découverte du nouvel aqualung d'Agen. Allez, venez. Allez, venez. On va vous montrer tout ça. C'est un parc qui a été conçu juste à côté du Walibi d'Agen. Vous allez voir qu'il y a des espaces pour tout le monde. Alors il y a des espaces pour les petits, pour les moyens, pour les grands et pour les très grands kamikazes. Vous allez voir. On arrive à l'espace enfant. L'espace enfant, vous avez vu, il est très fourni, hein. Petit toboggan. Il y a quand même de quoi faire. Particularité du parc, l'eau est très chaude. Elle est bonne ici, elle est à 28-29 degrés, je pense, hein, sur certaines attractions. Alors, une fois quitté l'espace enfant, vous avez ici à votre gauche, eh bien, l'espace pour les moyens, on va dire. Voilà, les enfants de 10 ans, 10-12 ans qui veulent s'amuser là. Et toutes les attractions peuvent se faire avec des bouées une ou deux personnes. Ça, c'est bien. Donc, un petit pentaglisse. Donc, là, c'est l'Adventure Kids. Donc, là, c'est pour les enfants à partir de 8 ans et pour les grands. En fait, c'est les grosses attractions en un petit peu plus petit, en plus court. Mais même sensation. Les plus courtes. Et là, c'est la piscine à vagues. Alors pour l'instant, il n'y a pas de vagues. Peut-être que quand on va revenir, il va y en avoir d'ailleurs. Ah ouais ? Bah non, il y a une autre. Regardez. Hop ! On est bien s'amuser. Stop ! Il n'y a pas de vague pour le moment, mais c'est un joli lagon et en plus tout du long, eh bien, vous avez de quoi ? Bah, vous avez un jacuzzi en fait. C'est top, non ? Voilà, quelques images de la piscine à vagues. Ah, vous voyez, des bains à remous tout du long. Voilà, si vous voulez, on peut se poser, c'est tout le long comme ça. Allez, je vous montre léger tout au long de la piscine. Et regardez les vagues, elles sont en route. Hop là ! Donc là vous avez le snack juste derrière et je vous emmène à la rivière. Alors le Colorado River, c'est une petite rivière en fait très calme, tranquille. Voilà, on peut la surplomber. Beaucoup de végétation hein, de la rivière. On va monter sur le petit pont, on va mieux voir. Mais... Voilà, comme ça on voit l'ensemble de la rivière, vous voyez. Donc là l'avantage, quand même, c'est qu'on est à 1 heure de Toulouse et on est à 1 heure de Bordeaux. C'est quand même le top. On est en plein milieu, à Agen. Enfin, Roquefort, précisément. Vous voyez, un espace de bronzage intéressant. Et maintenant, je vais vous emmener dans le coin des kamikazes. Alors, j'en ai testé certains, d'autres, j'ai pas eu courage. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, c'est kamikaze. Dès qu'on passe cette espèce là, attention, là c'est pour glisseur averti. Allez, venez, suivez-moi. Alors demain, on va vous faire visiter le Walibi.
Mais vous allez voir que Walibi est plus que proche. C'est vraiment, il y a juste en fait une barrière qui sépare les deux parcs. Alors très belle végétation par contre, hein. Ça c'est dans tout le parc, hein, c'est comme ça. Hein. Donc le parc Walibi, vous voyez, juste les barrières là qui est au fond là, et bien en fait c'est là. Walibi est vraiment le voisin le plus proche. Là vous voyez, ceux qui montent en haut, c'est Walibi. Ils montent en petit bateau, là aussi d'ailleurs. Donc ça sera pour demain. Donc voilà, je vous parlais de kamikaze, alors là vraiment c'est kamikaze. Hein. Voilà. Donc est-ce qu'il y en a qui auront le courage de descendre la deuxième que vous voyez sur l'écran? Parce que celle-là elle est pas mal, c'est 28 mètres de chute libre. Mais je sais pas si c'est la pire en fait. Là vous avez 20 mètres à gauche de chute. Et alors après vous avez le trou noir qui descend et là celui qui termine complètement à droite, celui-là est violent. Allez, je vous emmène voir la suite. Donc là j'en ai testé deux ici. Les autres honnêtement, je suis désolé, hein, viendrez tester vous-même. Surtout que je n'ai dit que ça, mais lundi, dans Chute on écoute la télé, je vais vous faire gagner vos entrées à Walibi. Ça vous permettra peut-être de venir aussi découvrir Aqualand du coup. Donc ici vous avez un ensemble de 4 toboggans sur votre douche, on va y aller un petit peu plus près. Donc les deux attractions que vous voyez là, qui sont en construction, elles sont uniques en Europe. Là le gros truc là, vous voyez, ça va être opérationnel le 7 juillet, pas avant. Donc malheureusement on n'a pas pu la tester. Et ça vous permet de voir comment est un toboggan quand il arrive. Et alors ça c'est unique en Europe, il n'y en a nulle part ailleurs, hein, le gros entonnoir. Hein. Donc ici, vous avez un ensemble de 4 toboggans. Alors vous en avez 2 qui sont tranquilles, qui peuvent se descendre à une bouée ou deux, une bouée, une personne ou deux personnes. Et donc ça c'est l'anaconda et le spiral. Ils se ressemblent beaucoup à les deux. Moi j'aime bien, c'est le speed driver. Donc là il faut le descendre obligatoirement à deux pas. Donc là vous avez de descendre comme vous voyez, là vous en avez 3. Et ça remonte, et ça redescend, et ça remonte. Et ça 3 fois. Alors, je vais vous montrer une petite vue d'en haut. Voilà, donc ça c'est celui qui part juste en haut. Qui fait des descentes, des remontées, qui part en zigzag. Voilà, là vous avez une vue un peu sur les attractions les plus hardes du parc. Donc là on va prendre en fait là juste en dessous là. Allez, je vais prendre ça avec les bruits. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. C'était la première descente. Allez, deuxième descente. Waouh. Bon, je sais pas comment va se passer l'arrivée parce que je l'ai testé.
d'esprit déjà. Oh, 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 oh. Ça va vite, hein, quand même. Ah bah oui. Hein. Ouais. Et là, tout à l'heure, je me suis retourné en arrivant. Alors, nous allons voir comment ça va se terminer. Voilà, je m'en doutais. Ça va descendre, les amis. Ça va descendre. Ah ouais. Ça envoie un peu là. Il y a le bateau qui arrive là, regardez, vous allez voir. Vous allez voir la descente comment elle est sympa. Voilà. Et là il remonte, il redescend là-bas. Et voilà, ils arrivent à la fin. Et enfin le zigzag. Donc le zigzag, c'est un ensemble de trois toboggans ici. Donc là ça descend un peu en colimaçon. Et ça descend jusque là, il y a trois descentes différentes. Je vais vous emmener juste en face. Venez. Donc ça c'est sensiblement les trois mêmes descentes, hein. Il n'y a pas de difficulté majeure, ça se descend avec un tapis. Bon ben allez les amis, on va y aller. J'en peux plus. Voilà, je vous ai montré toutes les attractions. Le nouveau parc Aqualand d'Agen vient d'ouvrir ses portes depuis même pas une semaine. Donc si vous souhaitez venir, bah, l'idéal, c'est de combiner une journée avec Walibi. Vous avez passé certainement un super week-end ou même deux superbes journées. Je voudrais remercier la direction du parc, le service communication. Merci aussi à l'hôtel d'Occitanie pour nous loger pour ces deux jours ici pour vous faire découvrir eh bien, ces deux parcs. Et on vous donne rendez-vous évidemment demain matin en direct pour rentrer à Walibi, à Agen. Et on vous montrera également toutes les attractions, on vous fera plus de Facebook Live évidemment puisque toutes les attractions ne sont pas dans l'eau, donc c'est plus facile quand même hein, pour vous emmener avec nous. Ok, allez sur ce, bonne soirée. Bonjour à tous les amis, deuxième journée après avoir découvert hier Aqualand. Eh bien on va vous faire découvrir aujourd'hui Walibi. Alors ça va être plus facile hein, pour faire des Facebook Live, pour vous faire des petits directs, vous faire découvrir les attractions. Et puis on va filmer au cœur des attractions également pour vous faire une petite vidéo. Alors tout au long de la journée, restez connectés puisqu'on va eh bien, tout au long de la journée vous faire découvrir le parc Walibi. Et attention, je rappelle que lundi, on fait gagner des places à Walibi. Alors surtout, eh bien, restez connectés avec nous. Et puis un grand merci encore à notre partenaire hôtel, l'hôtel d'Occitanie à Agen, qui nous a accueillis pour cette nuit, pour faire une petite pause entre ces deux parcs. Bonne journée à vous et à tout à l'heure. Voilà, première attraction de Walibi. Bonjour à tous.
Alors, on va vous emmener dans la coccinelle pour commencer. Alors ça, c'est une attraction pour toute la famille, hein. Tout le monde peut le faire. Hop. Allez, c'est parti. Normalement, on devrait avoir une petite vue sur Aqualand en même temps. Donc là, c'est les bûches, le drakkar. Belle grande descente. On a une petite. Hop. Ah oui, quand même. Qui mouille déjà bien. Petite balade. C'est très verdoyant, oui. C'est ça qui est agréable, quand même. À monter.
Oh oui. Voilà, c'était la descente du Drakkar. Bon, je sais pas ce que je fais de bon matin, mais je pense que là, ça va pas être triste. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Bon, alors, j'espère que la caméra est bien. Hop là. Voilà. Oh la vache. Là, je suis mal si ça se décroche, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah la vache. Quand ça peut se terminer, c'est bien. Ah 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 ah. Bon, donc là, si vous avez compris le système, eh bien nous allons partir maintenant en arrière. Ah oh non, c'est pas possible. Je vous jure, j'ai passé l'âge de faire des conneries comme ça. Quand je vous dis que vous me faites faire n'importe quoi. Et voilà, on est parti pour la Raja River. Alors on est dans des grosses bouées comme là. Ça va partir, hein, je vous préviens. Attention. Go, on est lâché. Wouhou. Allez, c'est pour notre gueule. Donc là, avec la boussure en vue. Oh.
ça c'est des boules qui peuvent se faire à 6 euros jusqu'à 6. De celui-là. C'est une petite balade, hein. Sympathique, c'est bien qu'elle le reste. Hop là. Voilà, les grosses éclaboussures là, c'est pour notre gueule. Et non. Ah ça va, ça mouille pas trop ce matin. Et des fois ça mouille beaucoup, hein. C'est au petit bonheur. Voilà, ça c'est fait, hein. Elle est fraîche. Alors ça c'est un petit coaster, c'est plutôt pas mal, hein. On aura une petite vue sur le parc qui est pas dégueulasse. Je sens que ça va descendre.
Oh, ça monte, ça descend. C'est gentil, mais par contre, ça lève le ventre. Faut pas le faire. Faut pas le faire avant de manger. Allez, on est en bateau maintenant dans le Tartan Tour. Le village. Avec des petites cabanes de pêcheurs colorées. Et c'est donc ainsi que se termine cette deuxième journée ici à Wely Viaja, alors après à Aqualand, hein, que vous pourrez également découvrir. Je voudrais remercier en même temps eh bien, le directeur du parc Sylvain Chatin, qu'on accueillera dans l'émission d'ailleurs lundi prochain, qui nous dira tout sur les coulisses eh bien, de l'ouverture de ce nouveau parc à thème, ce parc aquatique qui vous attend. Je voudrais remercier également tous les équipiers du parc qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de faire une très très belle vidéo que vous allez voir très bientôt sur notre chaîne YouTube. Chut, on écoute la télé. Merci également à notre partenaire aussi, l'hôtel d'Occitanie. Merci beaucoup pour l'accueil, pour le bon repas hier soir. On vous embrasse également. Alors merci à tous et puis pour nous suivre, n'oubliez pas notre page. Chut, on écoute la télé et n'oubliez pas, lundi, on vous fait gagner vos places pour Wally Viaja.